On casse ça là. Pour moi, j'étais un peu ému au départ, etc. Je pensais, quand j'ai commencé ce combat, il y a 8 ans, en fait, rien ne laissait supposer qu'on arriverait à ça. Donc, ça ne peut être qu'une victoire, en fait, de pouvoir avoir une cour d'assises en France, etc. Donc, c'est fabuleux, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de mots pour dire. Et... Je ne pense pas qu'à la fin de l'audience, je saurais où mon frère a été inhumé, où ils ont été faits, quelles conditions dans lesquelles il est décédé, etc. Ça, je ne le saurais jamais. C'est-à-dire, je ne pense pas. Bon, peut-être qu'après, plus tard, on saura des choses, mais pas à la suite de ce procès. Non, à la suite de ce procès, j'espère juste une condamnation vraiment des pratiques du régime, via ces trois militaires en fait, qui vont être condamnés.